Salut Tubos, aujourd'hui on se retrouve avec Hades 2 qui est un jeu de type roguelike mythologique développé par Supergiant Games et sorti en accès anticipé le 6 mai 2024. Il s'agit de la suite tant attendue du jeu Hades acclamé par la critique. Dans ce jeu, vous devrez vous frayer un chemin à travers les hordes de créatures mythologiques pour atteindre le mont Olympe. Le jeu propose une narration riche et captivante, un système de combat fluide et dynamique et une multitude d'armes et d'objets à découvrir. L'accès anticipé d'Hades 2 donne déjà accès à un contenu conséquent avec plusieurs environnements, ennemis et personnages entièrement doublés. Cependant, le jeu est encore en développement et de nombreux éléments sont à venir, tels que des régions, des personnages, des ennemis, des événements narratifs et des systèmes de jeu supplémentaires. Donc si vous appréciez le premier jeu Hades ou si vous êtes à la recherche d'un roguelike captivant et immersif, eh bien Hades 2 est un jeu à ne pas manquer. Allez, Tubos, on va déjà voir sur la roguelike ce que ça dit, surtout dans les options. Je vais tout mettre à fond, j'ai mis la qualité des graphismes sur haut, tout automatique, et puis bien sûr, plein écran. On va mettre du 1080p, oui, on va faire le maximum sur les trois consoles. Donc ici, c'est vraiment exceptionnel, pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est en 2D. Alors, je vous rappelle aussi qu'il est en version Early Access. Ça, c'est très important, pourquoi? Parce que s'il y a deux, trois choses qui vont pas, c'est tout à fait normal. Alors, il est 100% compatible avec toutes les consoles portables, même le Steam Deck, hein, il a été validé pour le Steam Deck, donc aucun souci. Et c'est le digne successeur du premier Hades du nom. Graphiquement, on va retrouver plus ou moins la même chose. Mais là, c'est une femme. Yeah. Super joli, vraiment très très joli. Voilà. On va restaurer un peu de santé. Voyons voir un peu ce qu'on nous propose. Hop là. Alors le graphisme est toujours bien léché, hein. Franchement. La fluidité est à son maximum, hein. Vous voyez, on est à 120. Je pense que ça devrait pas poser de problème. Et justement, plus c'est fluide, meilleur c'est. Yes! Allez, dégage. Rentre chez ta mère. Et j'ai gagné un petit truc sympa. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un sort. Ouais, mais bon, c'est bien. Moi, je prends hein, tout ce qui est sort et tout ça. Apollon, dieu de la lumière. Bien le bonsoir de l'Olympe, mon petit rayon de soleil, blablabla. Bon, bref. Et puis là, on peut choisir les bienfaits d'Apollon. Eh ben, on va faire frappe éclatante. Allez. Hop, ça sera toujours ça de prix. Voilà, niveau suivant. On peut toujours lancer des flèches, ouais, d'accord. En bouche, ok. Le son est toujours aussi bon. Les musiques ont l'air super sympas également. Bon, sans surprise, vraiment, hein, je pense. Hein. On peut dire que c'est un bon jeu. Sans réelle surprise. Et il passe super bien. Et là, il est en early access. Alors, je sais pas ce qu'ils vont améliorer. Hein, parce que, sincèrement, c'est déjà ultra bon. Hein. J'imagine en 144 Hz sur la Legend Go, ça va être une boucherie totale. Oh, joli! Super, j'obtiens, ouais, ok, appuyez sur, pour votre inventaire, ouais, d'accord, j'en aurais vite besoin, souvent utilisé pour obtention de nouveaux arcanes, ok. Graphiquement, très joli, hein. Très, très joli. Yeah. Plusieurs chemins possibles, on dirait, alors je sais pas si ça mène au même endroit, mais... Boum, ah ouais, ok, très bien, le bestiaire a l'air d'être renouvelé également, bon, en tout cas, c'est pas le même. Ouais, ça se joue facilement, hein, comme le 1, en fait. J'espère qu'il y aura une bonne durée de vie aussi. Si vous aimez des jeux un petit peu bourrins et pas spécialement trop fins, ouais. Wow.
J'ai configuré aussi le bouton ici pour faire des slides. Que ce soit plus facile. Oups là, oula, je suis pas très très en forme. Oh, je suis dead. En même temps, je suis pas très fort à ce jeu-là, hein. Je vous avoue, hein. Je suis pas très très fort. Oh, je suis de retour dans le monde des vivants. Oh, je suis dans ma petite chambre. Tranquille, pépère. Oh, il est pas beau, lui. Dora, ombre nonchalante. Bon, je pense que c'est normal, en fait, de crever. On va dire ça comme ça. Fait partie de l'histoire, peut-être, hein. À savoir. Qu'est-ce qu'ils disent, là? Ah, ok, d'accord. Bon, bah, comme ça, je peux regarder un petit peu la partie de l'histoire qui peut être intéressante. On va dire plus ou moins. Waouh, très très sympa. Le level design est aussi sympa que le premier, hein. Vraiment, hein. Très joli. Hein. Franchement. Waouh, regardez un peu. Franchement, très joli. Hein. Ça reste de la 2D, mais il y a une espèce d'effet de profondeur quand même très appréciable. J'aime beaucoup. Inspecter. Ok, d'accord, ça marche. Sortir vers les enfers. Oh mon dieu. Ça y est. Je suis en enfer. Mélinoé. Ok, j'ai des capacités spéciales. Maintenant que je peux... Déesse de saison. Des saisons. Ouais, ok. Frappe glaciale. Allez, vas-y. C'est parti. Je slide. Je slide. Hop là. Bon, très sympa. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de le voir sur la Legion Go. Voilà, donc on va regarder ensemble. C'est pareil, dans les options, j'ai mis plein écran. Et là, j'ai mis 1600p des tubos. 1600p, ça veut dire que là, le jeu, normalement, il doit être somptueux. Et on va voir s'il va jusqu'au 144Hz. Comme d'habitude, je mets du 20 watts. Je vous ai pas montré sur l'Asus ROG Ally, mais je mets du 20 watts pour que ce soit l'équivalent. Et ici, c'est exactement pareil. Je mets 20 watts, soit le mode performance. Allez, on va se plonger dans le jeu et on va voir ce que ça va donner. Normalement, ça devrait le faire. Hein. Je pense qu'on devrait atteindre les 144 FPS pour le 144 Hz. Je l'espère parce que franchement, si on les atteint pas, bah, je serai un petit peu déçu parce que mine de rien, c'est un jeu en 2D. Alors même s'il est en Early Access et que du coup il manque peut-être un petit peu d'optimisation, franchement je vais pas pleurer parce que il passe à 120, hein, je vous rassure. Mais j'aimerais bien quand même qu'il passe à 144 pour qu'on ait vraiment visuellement un truc parfait. Et regardez-moi ça. Non mais alors là... Oh la vache. Ah ouais. Alors là, mon vieux... L'écran fait vraiment toute la différence. Hein. J'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos de toute façon, mais... C'est vraiment ce qui fait vraiment la différence. Franchement, hein. Cet écran est gigantesque. Boum. Allez, dégage. Allez, j'ai un petit peu plus d'expérience, hein. Donc je vais pouvoir en profiter. J'ai un peu plus d'expérience, mais je me fais lyncher quand même. Hein. Ah, tiens, je t'ai anéanti. Yes, rentre chez ta mère, toi aussi. Ah non. Hop là, je l'ai mal fait. Oh, yaï. Tiens, dégage. Allez, je récupère la même chose que tout à l'heure. De toute façon, on va faire le même gameplay, comme ça, au moins... Vous pourrez voir que, bah, des fois, ça, regardez, ça descend un petit peu. On est là, par exemple, à 124, 128. Alors, c'est rien de grave, évidemment, hein, heureusement, d'ailleurs.
Comme de toute façon sur la roguelite, nous sommes à 120. Bon, voilà quoi. Hop là. Tiens, mange-toi ça. Je crois qu'il faut que je les exécute avant tout le monde. Tiens. Ah, ça demande beaucoup de dextérité, hein. Beaucoup de réflexes. Tiens, dégage. Rentre chez ta mère, toi aussi. Hop là, récupérez votre récompense. Bah oui, attends, ouais, je vais la récupérer, non, ça va pas. Je vais pas leur laisser. On va passer par ici, tiens. On va être original. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah oui, on a toujours les... espèces de bestioles là. Tiens, mange-toi ça. Je récupère. Yes. Tiens. Oh, je les ai pulvérisés. Ah ouais, pas mal, hein. J'aime beaucoup, hein. Si c'est comme le 1. En plus de ça, ce qui est génial, c'est qu'il demande quasiment pas de puissance. Alors, on est à la limite en 1600p. Attention, les tubos, c'est un 1600p. On est à la limite des 140. On les atteint des fois les 144, mais on est plus à 100... Ouais, je dirais. Entre 130 et 140. Ce qui est vraiment énorme, hein, bien sûr. Hein, parce que là, je vous rappelle, hein, 1600p, c'est le maximum de résolution de la console. Donc, autant dire magnifique. Là, le jeu, il est encore plus beau que jamais, hein. Oh, pulverisé. Tiens, j'envoie plein de trucs. Aïe, lui m'a fait mal. Oh, je les ai tous pulvérisés. Oh, magnifique, c'est quoi ça? Frappe éclatante, niveau 2. Bah écoute, je prends. Ah bah là, on va aller peut-être un petit peu plus loin que la version roguelite, hein. Ennemi à proximité, ah ouais. Aïe. Je vais leur envoyer des trucs au loin, comme ça, je prendrai un petit peu moins de risques. Ah, il se dirige quand même vers l'ennemi, hein. Vous avez vu? Même si je tire pas vraiment dessus, en plein dessus. Ils font une espèce de petite déviation. Toi, je vais même pas te laisser le temps de respirer, mon gars. Ah, je suis dead aussi. Bah, comme ça permettra de voir aussi sa petite maison. Enfin, sa petite maison, sa chambre. Avant de revenir en enfer. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je suis de retour dans ma maison. Bon sang. Ouais. Bon, bah voilà. Hein, ici, on est à 144. Alors, quand il va y avoir beaucoup d'ennemis, je pense qu'on va plutôt taper dans les 130. Ce qui n'est absolument pas navrant, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas du tout un inconvénient, ni une remarque désobligeante envers le jeu, pas du tout. Au contraire, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que justement, nous avons le 144 Hz, et c'est ça qui fait la plus-value de cette console, et on pourrait très bien baisser à 1200p, on serait quand même au-dessus de la version Asus Roguelite. Donc j'ai envie de dire, pas mal du tout. Alors les enfers, c'est par où, s'il vous plaît? Les enfers, c'est par où? C'était par ici, je crois, non? C'était pas quelque chose comme ça? Voilà, c'était là. Oui, sortir vers les enfers, bien évidemment, j'en ai toujours rêvé, donc voilà. Hop, pareil, voilà, oui, ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Toc. Oh la vache. J'adore parce que ça bouge tout le temps en fait. Vous voyez, il y a tout le temps de l'action. Ça, j'aime bien quand il y a beaucoup d'action comme ça. Quand c'est effréné. Tiens, glacé. Alors après, évidemment, hein, on fait pas dans la dentelle. Et puis, les coups, il n'y en a pas non plus 50 000. Mais vous pouvez faire des petits combos, des choses comme ça. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Tiens, dégage. Yes! Récupérez votre récompense. C'est vrai. Hop, t'as raison. Les petites portes activées comme ça pour passer à un autre niveau. Yeah, ouais. Des monstres comme ça, j'en mange tous les jours au petit-déj. Dégage. Tiens, glaçon. Oh, je l'ai pulvérisé aussi. J'adore les pulvériser.
Viens ici, toi. J'aime pas trop que tu partes comme ça dans ton coin, là. Oula. Alors, pour l'instant, je fais pas trop trop mal. Ah ouais. Mais après, je pense qu'en faisant évoluer son personnage, bah, on peut lancer des attaques beaucoup plus puissantes. Et puis même, on peut augmenter sa vie, etc. Bref. Voilà, princesse des enfers va me donner un pouvoir. Bon, allez, je vous propose de passer sur la version MSI Cloud. Allez, on va passer à la version MSI Cloud. Et dans les options, vous avez vu, je mets du plein écran. Je désactive le V-Sync et j'ai mis la qualité aussi des graphismes sur haut. 1080p, je suis toujours aussi en mode intelligence artificielle. On verra bien si on atteint les 120 Hz, 120 FPS de la console. On va voir. Alors, par contre, je sais plus si auparavant... j'ai activé ou désactivé la V-Sync sur la version Legion Go. Et bon, après, sur un jeu en, franchement, en 2D, ça change pas des masses. Alors, la MSI Cloud, première constatation, on dépasse pas les 95 FPS, 96 FPS. Et là, j'avoue que je pige pas. Pourquoi on les atteint pas alors qu'on est en intelligence artificielle? C'est-à-dire qu'il gère automatiquement la console. Je vais mettre en mode performance extrême. On verra bien. J'ai l'impression qu'on va pas dépasser les 96. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas. Pourquoi on ne les dépasse pas? Tiens, mange-toi ça. Bah. Ouais. Bon, bah, c'est une déception, encore une fois. Attention, quand je dis déception, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais non, mais tu déconnes, grand viam !» Non, non, bien sûr, c'est pas une déception dans sa généralité, évidemment. Parce que là, vous vous doutez bien quand même qu'un jeu qui passe à 90 FPS, c'est tout juste énorme, on est d'accord. Enfin, c'est tout juste énorme. C'est pareil, hein, faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Je sais que vous êtes très pointilleux dans les commentaires, enfin certains. C'est énorme. Pour un jeu en 2D, faire 96 FPS, c'est très bien, c'est très bon. Voilà. Mais c'est vrai que là, par exemple, dans les options, ouais, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas, moi. Imaginons que je mette tout. Les graphismes sur moyen. Est-ce que c'est la console qui va gérer les 120? Vous voyez, on n'arrive pas à dépasser les 96.1. Et quand bien même je mets l'activateur de FPS, bon bah il me le calcule pas. Vous voyez? C'est encore tout pété. Hein. C'est encore tout pété leur truc. C'est vraiment terrible. Donc il y a du mieux avec cette console là. Mais je vous ferai une review, ne vous inquiétez pas. Parce que effectivement, il y a du mieux. Mais il y a beaucoup de choses qui vont pas hein, quand même. Hein. Hop là. Hop là. Esquive rotative. Ah, mais non, mais attendez, voilà, c'est pour ça. Faut que je mette 120. Je sais pas pourquoi c'était retiré. N'importe quoi, grand miam. Voilà le pourquoi du comment. On a du 140. Oulala, oulala. Je veux pas faire un petit tour en enfer. Tiens. Ouf. Bon. On est monté à 174. Bon, là, bon. Ok, donc je retire tout ce que j'ai dit. On est plus que bon. Alors là, je crois que je suis jamais monté aussi haut sur les autres consoles, mais en même temps, si on avait peut-être débloqué... Bah non, même pas, parce que vous êtes obligé de bloquer, là, comme par exemple ici, j'ai bloqué à 120. Et pourtant, je suis bien plus haut, là. Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose pour la MSI Cloud. Comment dessouder son propre jugement en 2 secondes? C'est énorme. Dégage, j'ai pas le temps de te parler. Tant mieux, j'aime bien quand je me fais moi-même fermer ma bouche. J'apprécie beaucoup. Là, avec un petit peu de monde à l'écran.
Super. Voilà, on est au 140. Donc on est mieux que l'Asus ROG Ally. Et parfois mieux, bizarrement, que la Legion Go. Bah écoutez, c'est bien, hein. J'aurais préféré que ce soit sur un Call of ou un truc comme ça, mais bon, bref. On va pas bouder notre plaisir, hein, non plus, hein. Regardez un peu, là. Tiens, mange-toi ça. On dirait un espèce de petit fantôme, je sais pas quoi. Bon, bah voilà, hein, soyez rassurés, hein, ceux qui ont la MSI Claw, le jeu est parfaitement compatible. Le son, par contre, oh là là, les amis, mais vraiment, le son de cette console, il est terrible. Il met à l'amende l'Asus ROG Ally et la Legion Go. Hein. Ah ouais, mais vraiment, hein, je le dis, je le pense vraiment, le son est sublime. Vraiment, les basses sont solides, les aigus, on les entend bien, les médiums, c'est exactement pareil, les médiums, bien, hein, et c'est pas toujours évident. Hein. Et là, c'est une plus-value. Voilà, à chaque fois je le dis, mais... Tiens! Oh, c'est bien joué, ça, de la part de Grand Miam. Dégage! Oh, le truc glacial. Oh, là, il y a du monde. Et regardez, on monte à 161. C'est génial. Par contre, c'est ultra fluide. 1080p. La totale. Génial. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, mais de ouf. Et j'ai même envie de dire, peut-être bien, que vous pourrez, avec le mode super batterie, parce que c'est le mode où vous allez pouvoir économiser un maximum de batterie, enfin d'autonomie, pardon, et donc fatalement ou heureusement de la batterie. Ouais, j'ai augmenté ma vie, et vous allez être à quand même 179. Alors vous pourrez le faire sur les autres, évidemment. Oh, mais c'est un boss, bah oui, j'allais dire... Ouah, je suis mort. Bon, de toute façon, il fallait mourir. Donc voilà, je l'ai fait exprès. Allez, tu vois, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous laisse, comme d'habitude, dans les commentaires, me dire laquelle vous avez préférée, comme d'habitude. Allez, ciao, ciao.